Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier École éphémère du cinéma dans le cadre du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2021. Aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants de l'École supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand qui viennent nous présenter à chacun à leur tour les projets sur lesquels ils ont travaillé dans le cadre de l'enseignement de construction de décors à l'École d'architecture. Alexandre Cubisol, qui nous avons, il me semble, en visio. Bonjour Alexandre. Bonjour Tom. Vous êtes donc enseignant à l'École d'architecture de Clermont. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter cet atelier décor qui, on le rappelle, s'est fait cette année sous les contraintes liées à la pandémie Covid-19? Oui, bonjour, merci. Du coup, le plateau de tournage, c'est un enseignement qui existe dans l'École d'architecture depuis une quinzaine d'années, qui est dans la lignée du partenariat entre le festival du court-métrage et l'école d'architecture. C'est un enseignement qui est proposé aux étudiants de master, donc qui sont des étudiants qui ont passé le cycle licence et qui déjà maîtrisent les outils de conception de l'espace, qui sont capables d'appréhender les processus de projet, d'avoir déjà leur patte sur un petit peu tout ça. Et du coup, on leur propose de travailler sur un autre espace, sur la question de l'espace filmique, et de réaliser un décor de cinéma qui habituellement est exploité pendant le festival par les étudiants de l'école Louis Lumière. Donc, c'est un enseignement de master où ils sont amenés à utiliser les outils du projet, fabriquer faire le projet, mais où au-delà simplement du projet, on travaille sur la réalisation du projet, donc avec tout un travail qui se fait à l'échelle 1, avec un travail sur la matière, sur la couleur, avec un travail sur l'esthétique qu'on veut donner au cadre dans lequel va se dérouler le décor. Habituellement, du coup, on travaille plutôt en atelier et on travaille sur la fabrication de ce décor qui est exploité pendant le festival. Donc, les objectifs, c'est de mettre les outils du projet au service du cinéma et du coup de travailler en collaboration avec les étudiants de Louis Lumière pour venir refaire des scènes de films célèbres. Ces scènes, elles sont toutes les ans, elles sont choisies par le Festival du court-métrage qui choisit un thème et mes collègues de Louis Lumière choisissent des films qu'on va travailler à refaire avec les étudiants. Donc sur ce plateau de tournage qui habituellement est exploité pendant l'atelier, il y a dans ce décor, il y a les étudiants de l'école Louis Lumière qui tournent, il y a les étudiants du conservatoire d'art dramatique qui font tout le travail d'actorat, il y a l'école Fourier-Battistini qui fait les coiffures, qui fait le maquillage pardon, et l'école Marie Curie qui fait les coiffures. Donc tous ces jeunes, ils sont tous dans leur champ respectif amenés à collaborer dans cet objectif final de réaliser re-réaliser des séquences de films connus. Donc cette année, la thématique qui avait été choisie, c'était la comédie musicale, vu que la thématique du festival, c'était le corps dans l'espace. Donc la thématique, ça a été la comédie musicale. On a travaillé sur plusieurs comédies musicales. On a travaillé sur La La Land, sur West Side Story, sur My Fair Lady, ainsi que sur Les Demoiselles de Rochefort. Habituellement, les étudiants ils sont appelés à réaliser un seul décor. C'est un enseignement qui s'adresse à un groupe d'une douzaine d'étudiants sur un semestre. Et donc habituellement, ils travaillent en équipe pour fabriquer un seul décor. Il se trouve que cette année, les conditions sanitaires ont fait qu'on n'a pas pu réaliser de décor. Là, c'est des images d'années précédentes. Donc, du coup, cette année, ce qui a été proposé aux étudiants, c'est plutôt de travailler sur le projet de décor et plutôt que de faire un seul décor
qui est en mesure dans lequel on est en mesure de tourner 5 séquences de films différents. Cette année, ils ont réfléchi chacun sur un décor pour une séquence de film. Donc voilà, là je le l'objet le pardon. Donc on n'a pas construit, mais du coup, on a plutôt essayé de travailler un petit peu sur les moyens de représenter ce décor. Et puis, on a aussi un petit peu travaillé sur la question de comment est-ce qu'on est arrivé quand même à travailler en groupe, comment est-ce qu'on est arrivé quand même, malgré toutes ces contraintes, à échanger et puis à venir vous rencontrer à travers nos ordinateurs. Donc là, on est tous chez nous. Et du coup, pour vous présenter un petit peu le travail qui a été fait cette année. Je crois que là, maintenant, je vais laisser la parole en fait aux étudiants qui vont vous présenter à tour de rôle leurs travaux de cette année. Je voulais vraiment les remercier parce que je crois qu'il faut vraiment être conscient que c'est une situation qui est pas évidente pour les étudiants qui passent beaucoup beaucoup de temps sur leurs ordinateurs malheureusement. On peut pas se voir, on peut pas travailler avec la matière. Donc c'est vrai que ça a été une année particulièrement difficile pour tout le monde. Et je voulais les remercier chaleureusement pour l'investissement qu'ils ont pu avoir et puis pour le travail qu'ils ont fourni. Super, merci beaucoup Alexandre. Et sans plus attendre, donc nous allons commencer avec le premier groupe qui sont donc Victoria et Mathilde qui nous présentent leur projet sur le film La La Land. Bonjour. Bonjour, du coup moi je m'appelle Victoria et je vais vous présenter ce qu'on a fait pour l'extrait de film de La La Land sur l'extrait de Lovely Night. Donc La La Land c'est un film de Damien Chazelle qui a été réalisé en 2016. Donc nous ce semestre-là on s'est particulièrement intéressé en fait sur l'analyse filmique dans un premier temps basée sur les décors. Donc dans l'extrait qu'on a eu, on voit deux personnages qui remontent une rue de Los Angeles avant le lever du jour. Et elle est vraiment une scène où on va avoir de la danse, des chants et surtout des claquettes. Donc c'est un peu le type de. Dans ce film-là, on retrouve plusieurs scènes de ce type. Donc les deux personnages avancent dans cette rue juste avant le lever du soleil et ils arrivent devant la ville de Los Angeles et sa banlieue. C'est un endroit qui s'appelle le Katie's Corner et ils vont vraiment découvrir en fait ce paysage au fur et à mesure de la scène. Donc au début, enfin les personnages sont assez timides l'un envers l'autre, on les voit assis, etc. Et au fur et à mesure va se créer un lien entre les deux personnages. Et la musique et la caméra va jouer un rôle très important dans cette scène, vu qu'ils vont vraiment accompagner la danse et l'histoire des personnages. Donc la caméra, comme je le disais, elle a un rôle assez important, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la scène, vraiment les personnages vont se déplacer sur de longues distances et la caméra va vraiment les accompagner comme en fait un troisième personnage dans cette scène assez iconique. Donc on a fait un peu de recherche sur comment cette scène avait été réalisée et comment la caméra pouvait avoir ces mouvements-là. Donc on a notamment cette image qui nous montre en fait une caméra ici sur une grue qui va vraiment permettre une grande flexibilité de la caméra. Donc la deuxième partie en fait de ce travail, ça a été de réinterpréter cet extrait et de lui donner une nouvelle dimension, un nouveau décor et un nouveau récit. Donc nous, on a cherché quand même un endroit qui serait romantique, vu qu'en fait c'est un peu l'objectif de ce film, c'est des scènes romantiques. Donc on est parti sur la ville de Tokyo. Et dans cette ville de Tokyo, il y a un parc. Alors, je suis désolée si je brèche le nom. C'est le Koishikawa Park à Tokyo, où on va vraiment avoir une grande variété d'essences végétales et notamment cette superbe vue sur un lac et un temple japonais. Donc, il a fallu ensuite
pour cette réécriture, donner vie à l'endroit dans l'espace où on aurait dû être aujourd'hui pour le festival. Et on est venu en fait créer une modélisation de l'espace avec une prise en compte notamment du public. C'était un des enjeux de la création de ce décor, c'était de laisser de la place ici au public pour pouvoir, normalement, on aurait dû pouvoir assister au tournage de cette scène. Donc on a eu différentes contraintes, notamment celle de la caméra, comme je l'ai dit, qui a un rôle assez important dans cette scène. Donc on lui a laissé un espace assez libre vraiment pour avoir des mouvements souples ici. Ensuite, vu qu'on a la contrainte aussi de la danse, il fallait avoir des éléments qui retransmettent bien les bruits de pas. Donc on est venu installer ici des pas japonais au sol. On a le banc qui est un élément important aussi du début de la chorégraphie. Et enfin, on est venu apporter notre élément pour la réécriture de cette scène avec ce qu'on appelle une porte torii. Donc c'est un élément caractéristique des parcs japonais. Elle symbolise la féminité et traverser cette porte serait signe de renaissance. Donc c'est vraiment un élément qu'on a voulu intégrer à ce décor. Et enfin, on est venu apporter des éléments végétaux et minéraux en pied de découverte pour créer l'illusion et l'éloignement nécessaire avec le décor en fond. Donc là, c'est quelques vues d'insertion qu'on a faites pour tester comment la caméra aurait pu filmer si cela avait été possible dans d'autres conditions, évidemment. Et donc ensuite, on s'est posé les questions de comment on aurait fait si on avait pu construire les décors. Donc, ça a été tout un travail de recherche sur comment dans le cinéma on réalise des trompe-l'œil, vu qu'évidemment on n'aurait pas pu avoir une porte de grande envergure, une porterie de grande envergure. En bois en tout cas, on a travaillé avec des matériaux qui pouvaient agir en trompe-l'œil, avec notamment du polystyrène pour les éléments bois qu'on aurait pu travailler et peindre. Donc, ça a été un travail de recherche assez intéressant, vu que on n'a pas pu réaliser ces éléments-là. En tout cas, on a pu en apprendre un peu plus sur les trompe-l'œil. On a aussi fait quelques recherches sur les rochers et les éléments végétaux qu'on aurait pu construire. Donc, on a trouvé plusieurs techniques pour réaliser des éléments de trompe-l'œil. Bon, malheureusement, on n'a pas pu les réaliser, mais en tout cas, c'était un exercice intéressant de comprendre comment les films étaient faits, comment la caméra et par sa posture pouvait nous dire des choses inconscientes sur le film et puis le travail des décors. Donc, c'était La La Land de Victoria et Mathilde. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Victoria pour cette super présentation. Et alors, par la suite, nous avons l'équipe de Pauline et Xavier qui nous présentent leur travail sur une première séquence du film West Side Story. Est-ce que nous avons bien Pauline? Oui. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, je vais vous présenter notre travail qu'on a fait donc avec Xavier. Donc, en fait, notre travail s'est porté sur la scène de West Side Story où, en gros, Tony est le personnage principal et l'ancien chef de la bande. Et en fait, son ami est où il veut laisser toute cette vie de chef de bande derrière lui. Et en fait, il y a son ami qui essaie de le convaincre pour revenir. Donc, nous, notre projet, c'est fait par le biais de vouloir mettre tout ça sous un nouveau monde et un monde futuriste. Donc, en fait, on a vraiment créé un décor de monde futuriste où, en fait, Tony est un livreur de nourriture à domicile. Et, en fait, il va utiliser cette bouche de métro pour vouloir y aller. Donc, on a vraiment travaillé donc, pour présenter notre projet, on a travaillé sur un site internet. Donc, je vais vous partager. Donc, ici, on peut voir le site internet. Donc, c'est un fake de Allociné où, en fait, on a les différentes descriptions. Donc, on a le synopsis et le détail du film. Et, en fait, on a une interview de la réalisatrice qui nous explique comment elle a voulu mettre en œuvre les différentes ambiances, les différents modules de décor et aussi les costumes. Ici, on a des photos où, en fait, on a des détails où on peut s'approcher plus précisément. Donc, je vais vous mettre la vidéo de la réalisatrice. West Side Story, c'est l'histoire d'une bande de jeunes gros, qui se chamaillent un peu et donc c'est tourné sous une forme de comédie musicale. Il y a beaucoup de chants, beaucoup de danse.
Et du coup, en fait, ce film, j'avais eu beaucoup l'habitude de le regarder étant jeune. Et en fait, j'avais vraiment envie de lui donner un nouveau jour, monde futuriste, donc en 2040-2050. J'ai eu pas mal d'inspirations comme film, donc il y a eu Heure, par exemple, typiquement, qui est d'un film qui vient dans un monde futuriste. On ne sait pas exactement l'année, mais on sent qu'on est dans le futur. World's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Donc avec mon chef décorateur, on a pensé les décors pour qu'ils soient le plus futuristes possible. Donc on a vraiment voulu jouer sur des ambiances lumineuses, vient vraiment créer ces deux contrastes de couleurs chaud-froid. Donc à l'intérieur du métro, quelque chose de plutôt froid, là où il est obligé d'aller, où il n'a pas vraiment envie d'y aller. Et à l'extérieur, dans la ville, on est plutôt dans des couleurs plutôt chaudes où il a envie d'aller et de s'amuser. Et sur les petits détails qui vont vraiment nous amener à comprendre qu'on est en 2040. Donc après, on avait un faible budget, du coup, on devait vraiment créer des décors modulables dans un espace réduit pour vraiment avoir un maximum de possibilités de tournage, donc de plans. Donc c'est pour ça qu'on est venu vraiment créer ce couloir où il y a plusieurs sorties, mais en fait, on est toujours dans le même couloir. C'est juste selon les plans, on a l'impression qu'on change d'espace, mais pas du tout. Les costumes, on est vraiment venu utiliser des matériaux et des pièces qui faisaient futuriste. Donc le but, c'était vraiment voilà, qu'on s'identifie à un lieu lointain. Donc, comme par exemple Tony, donc, qui est le personnage principal du film, qui est le chef de la bande West, va venir porter, à contrario du premier film, vraiment partir sur un costume beaucoup plus matérialisé. Donc, par exemple, là, on le voit dans l'ancien film, il travaille pour une boutique où il doit ranger des bouteilles de coca, et là, il va venir plutôt être livreur. Et donc, du coup, on va venir, grâce à ce différents métiers, poser des accessoires comme des vélos, ou alors des casques, ou alors même donc ses écouteurs pour téléphoner, et puis aussi son sac à dos. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Pauline. Alors, pour la deuxième séquence du même film, nous avons le groupe de Fanny, Alireza et Sandra. Bonjour. Bonjour. Donc, nous, on travaille sur le film de West Side Story également. On travaille sur la deuxième séquence qui est une danse sur les toits industriels. Donc, on a un groupe de trois personnes. On a fait d'abord une analyse filmique qui vise à travailler sur les décors, sur le storytelling du film. Donc, le storytelling est le même que celui de la première séquence de West Side Story, c'est-à-dire deux groupes de jeunes qui s'affrontent un peu dans les rues, etc., en dansant. Et notamment, notre scène, c'est un groupe de garçons et de filles qui se chamaillent pour savoir si la vie est meilleure à Puerto Rico ou en Amérique. Donc, à partir de ça, on a projeté notre décor dans un univers très futuriste, en recréant un décor, des costumes, et en réécrivant un storytelling autour d'un monde très futuriste, qui est celui de Cap Rock. Donc, avec ce décor, après, on voulait garder une trace, puisqu'on n'avait pas de trace de notre décor, puisqu'on n'a pas pu le construire, malheureusement. Donc, on a créé une vidéo fictionnelle qui raconte notre décor. Donc, je vais vous mettre un extrait et vous raconter plus de choses après. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette édition spéciale de Cap Rock TV. Nous sommes le 3 décembre 2231 et nous interrompons votre programme ce soir pour un flash spécial. En effet, une découverte a été faite. Les ondes électromagnétiques ont été enregistrées au sud de Cap Rock il y a quelques jours. Elles viendraient de la planète Terre, autrefois occupée par les humains. Nous avons réussi à en décrypter quelques morceaux. Sans plus attendre, voici les extraits. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Oh,
Difficile de comprendre l'intrigue de ce film. En effet, il s'agirait d'une scène de chamaillerie entre un groupe de jeunes filles et de jeunes garçons immigrés de Porto Rico pour savoir s'ils sont maintenant à New York ou bien de là d'où ils viennent, Porto Rico. Maria et Bernardo sont les personnages principaux et les leaders de ces deux groupes. Ils mènent la danse. De jeunes réalisateurs cabroquins se sont intéressés à cette découverte et ont imaginé une réinterprétation de West Side Story. Tout de suite, nous écoutons Dragala Buerisque, une jeune réalisatrice cabroquienne, qui va nous parler de ce beau projet. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Donc voilà, expliquer notre univers. Ensuite, on crée un décor pour essayer de projeter cet univers. Donc, c'est des toits industriels, on a la vue en fond, les personnages avec des costumes assez futuristes. On a une capsule temporelle qui permet de voyager à travers la ville. Donc on a pu rendre des proches avec la personnage, on peut avoir une vue de l'intérieur, différents plans, ainsi de suite. Après, on va essayer de comment construire cette découverte, le fond de la ville qu'on vient tendre, le décor, Ali a aussi dans la vidéo, et je vous mettrai. Voici notre projet en 3D réalisé avec le logiciel Rhinocéron. Nous sommes dans une salle de 24 par 9 mètres et la zone d'implantation de ce décor est de 100 mètres carrés, soit la moitié de la salle pour laisser de la place aux spectateurs. Voici quelques vues de ce projet. Les acteurs et les actrices, en passant cette capsule d'ascenseur, ils entrent sur le plateau. Cet élément de décor est réalisé avec des coffrages contreplaqué en demi-cercle et des tasseaux en bois. Pour donner l'effet de vitre de la capsule, nous utilisons du polycarbonate. Et pour recouvrir les éléments en bois et donner un aspect futuriste, on les recouvre avec de la feuille d'aluminium. Voici la voie intérieure. Sur les découvertes, on voit la ville de Cabroc. Ce décor représente le plus possible un toit d'immeuble que ces jeunes se sont appropriés. Des éléments comme la capsule d'ascenseur et la découverte viennent enrichir l'idée futuriste de l'univers du film. Donc ensuite, plus en détail, capsule temporelle, dans les décors, de faire différents et de créer. Petit problème de micro, il faut couper le micro ou de l'ordi ou alors du casque, mais il y a un petit écho qui se passe. Désolé, petit problème technique en termes du son. Vous m'entendez normalement là? Non, toujours pas. Désolé de couper. Il n'y a pas de problème. Débranchez votre casque peut-être. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon, c'est les aléas du direct, ça arrive. Mais c'est bon, là ça a l'air de marcher, c'est avec le casque qui est débranché. Vous m'entendez mieux quand le casque peut débrancher? Ouais, il me semble. Moi je vais débrancher, ok. Oui. Okay. Donc pour finir, c'est une capsule temporelle qu'on construit tout en bois et dont on vient donner l'aspect métallique. Donc, au lieu d'avoir une vitre très épaisse, on a du carbonate qui est du plastique qu'on va pouvoir moduler sur le bois et créer une capsule temporelle arrondie. C'est à peu près tout pour notre projet, donc je vais laisser la main à mes camarades. Merci beaucoup et bravo. Désolé pour les quelques soucis de son qu'il y a pu y avoir. Par la suite, nous avons une première séquence du film My Fair Lady. Et c'est au tour de l'équipe de Paul, Hugo et Elisa. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter le travail que l'on a effectué avec
Paul Choigny et Elisabetta Zasnova sur la scène originale du film My Fair Lady, tourné par George Cukor et sorti en 1964. Ce film prend place dans la ville de Londres du XXe siècle. Le personnage principal que l'on voit ici à l'image est Eliza Doolittle, jouée par Audrey Hepburn. C'est une fleuriste pauvre avec un langage populaire. Dans la scène étudiée, la protagoniste principale chante son désir d'avoir une vie meilleure, un appartement ou un logement décent et échauffé. Et nous sommes donc repartis de cette même idée afin de construire et de l'adapter à une époque différente, à un contexte différent, et ainsi construire notre décor autour de cette nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire prend donc place dans la ville de Liberty City, dans un futur proche. Cette ville, après avoir vécu son âge d'or il y a une cinquantaine d'années, est désormais marquée par les écarts entre les classes sociales. Cette différence est aujourd'hui telle que chaque classe sociale vit dans une caste qui est séparée dans un quartier de la ville. Et les déplacements entre chaque quartier sont très réglementés. Elisa, le personnage principal de cette scène, est issue de l'avant-dernière caste sur l'échelle sociale. Et elle vit donc ainsi dans un quartier pauvre. Et elle vient chaque soir dans sa rue préférée afin d'observer la vue sur la ville riche que l'on voit ici à l'image. Une ville riche et développée et très, très moderne. Chaque soir, en l'observant, elle rêve d'y vivre un jour. Il y a eu tout un travail d'analyse filmique effectué sur cette scène. Comme on le voit ici à l'écran, l'actrice utilise beaucoup de charrettes, de sacs de légumes ou encore de cagettes afin de se déplacer, de bouger dans le décor. Et tout l'enjeu a été dans notre nouveau décor d'adapter ces déplacements et de les réinterpréter. C'est pourquoi nous avons décidé, voilà, comme on le voit à l'écran, de penser le décor de cette manière. Donc on a un linéaire de façade sur notre droite, représentant la façade de la rue dans laquelle se rend Lisa tous les soirs. On a décidé de mettre en place ce linéaire afin de respecter les mouvements de caméra présents dans la scène originale. Et ici, comme on le voit à l'image, ce linéaire se finit par un muret au-delà duquel on a cette vue sur la ville, sur la ville riche. Les décors seront un peu de style londonien, avec des maisons en briques ou en pierre, avec des lampadaires un peu grésillants. La scène pourra aussi être rythmée par, comme on le voit actuellement à l'image, des emmarchements qui sont ici pour reprendre et réinterpréter justement les déplacements des actrices et donner un petit peu de vie aux scènes qui pourront être tournées dedans. Donc on voit ici maintenant à l'image des planches d'ambiance et d'intention que l'on a dessinées avec Paul et Elisa. On voit bien cette omniprésence de la police qui est au final un des éléments forts de notre nouvelle histoire. Voilà, avec des policiers très présents, des chiens et beaucoup de caméras de surveillance, de drones qui sont assez présents dans le décor. On a aussi tout un jeu avec des affiches ou des discours, enfin des slogans gouvernementaux qui sont placardés sur les murs. On a aussi réinterprété certains éléments, c'est-à-dire que nous avons imaginé des logos de la révolte et aussi des panneaux
de signalisation qui, eux, sont achetés par le gouvernement. Et donc, on a une différence entre les deux. C'est un petit peu l'histoire de ce décor, c'est-à-dire qu'il y a une partie très ancienne qui représente la population et une partie très nouvelle, très moderne, très futuriste, qui, elle, représente les éléments payés par la ville riche et le gouvernement, on va dire, qui veut museler la population. On a ici à gauche un exemple d'une reprise du costume de l'actrice principale qui a été remis à jour, on va dire, pour être dans un esprit plus futuriste. Et on a à droite le costume d'un policier qui se veut, lui, vraiment technologique, très intimidant et très, très futuriste. On a donc deux parties différentes, la partie policière, comme on le voit ici, avec à gauche avec cette caméra en forme d'œil qui est là pour regarder la population, qui fait assez peur, hein, l'image de ce drone à droite, un drone de surveillance avec des pics acérés. Donc on a une partie policière qui est très développée, très moderne, un peu en contradiction avec le quartier dans lequel il s'implante, qui lui est plus pauvre. On voit ici, par exemple, des vues possibles que les caméras pourront avoir dans le film, hein, parce qu'au final, c'est pour ça que l'on construit un décor, c'est pour que un film ou un court-métrage, hein, soit tourné à l'intérieur. Donc, le principal, c'est de regarder les angles des caméras. Et donc, on a ici quelques exemples et quelques vues que pourront avoir les caméras et sur les décors. Et enfin, pour terminer, c'est la dernière étape, on va dire, de la conception du décor. C'est la fabrication des planches de décor. Donc, au départ, on a une feuille de contreplaqué sur lequel on va appliquer des textures, comme on le voit à gauche, avec les encadrements de fenêtres ou bien les motifs un petit peu de briques, les vitrines, les menuiseries. Et on a tout le derrière, on va dire l'envers du décor, qui représente toute la structure de ces planches avec des tasseaux de bois ou encore des mouchoirs qui sont ces petits éléments triangulaires que l'on retrouve un petit peu partout derrière la planche, qui sont faits ici pour fixer la planche et la rigidifier. Et enfin, pour terminer, on a les béquilles qui sont en fait ces grands pieds triangulaires et qui sont là pour que la planche tienne debout, tout simplement. On a réfléchi aussi aux accessoires et aux comment habiller ce décor. Les vitrines, par exemple, afin de les rendre plus réalistes et d'aller plus loin dans l'ambiance que l'on souhaite créer. C'est pourquoi nous avons équipé cette vitrine avec des éléments un petit peu de style steampunk qui collent avec notre univers. Et après, on a disposé et habillé cette vitrine. Donc, on a mis de la patine un petit peu sur les vitres. Donc, la patine, c'est un petit peu de la salissure naturelle que l'on pourrait avoir dans la vraie vie, en fait, mais qui, dans le cinéma, est recréée. Donc, voilà, de la patine un petit peu sur les vitres et la disposition des vêtements qui sont mis de telle façon que ça permet de cacher un petit peu les éléments qu'il peut y avoir derrière cette vitrine, donc les éléments techniques ou autres, qui au final ne devraient pas être visibles pour les caméras et pour le film qui est tourné dedans. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Hugo et à son groupe. Et pour une deuxième séquence du même film, c'est au tour de Clémence et Luce. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors. Clémence et moi-même, Luce, étions en train de regarder le film de My Fair Lady. Nous en étions à la scène où nous rencontrions Dolittle, le père d'Elisa, et ses deux compères se faisant sortir du bar. Il se met alors à chanter sa manière de s'en sortir, en ne faisant pas grand-chose.
avec un peu de veine et un peu de culot, comme il dit. Il nous explique que c'est plus simple de laisser le travail aux autres, car c'est beaucoup moins fatigant de le regarder s'épuiser à la tâche plutôt que d'aller les aider. Nous avons voulu retranscrire la scène, la temporalité de la scène de My Fair Lady que nous avons étudiée dans les années 1870 à Londres. La condition des femmes dans cette scène et le discours de Doolittle ne peuvent pas entrer dans une temporalité trop futuriste, ni dans une temporalité trop ancienne en raison de la présence des suffragettes. Nous avons donc choisi de la retranscrire dans un port où l'on retrouve la même condition ouvrière compliquée que dans la scène. Donc nous avons commencé par créer une découverte à partir de plusieurs tableaux, donc trois de Monet qui se nomment « Bateau sur le port de Londres », « La Tamise en aval de Westminster » et le dernier « Le port de Londres ». On a utilisé un quatrième tableau, « Dunder Svartstad » qui se nomme « Le port de Londres ». Donc la découverte, on l'a entièrement passée en noir et blanc, qui permet de plonger la scène dans un brouillard lointain de Londres et dans un port. Elle nous emmène aussi notre regard sur les personnages et les accessoires plutôt que sur elle-même. Donc nous avons aussi réalisé de nombreuses recherches, que ce soit au niveau des ambiances, des paysages, des lois, des accessoires, tout ça pour que notre décor représente au mieux le port de Londres dans les années 1870, que ce soit au niveau des pics d'amarrage, des filets de pêche ou encore au niveau des marchandises. On y retrouve par exemple des salques en toile de jute aux couleurs de la Royal Navy pour le courrier. On y voit aussi des travailleurs qui déchargent sur des quais des caisses de transport. Les tonneaux peuvent contenir du whisky ou du vin, les caisses du métal et les sacs du thé, du café ou encore du coton. Donc on peut voir que toutes ces marchandises viennent des colonies. Le livre London, A Pilgrimage de Gustave Doré est un livre de gravure qu'il a réalisé lors de son expédition à Londres et qui est paru en 1872. Les gravures concordent avec l'atmosphère que nous voulions donner à notre décor et nous en sommes inspirés pour que celui-ci soit le plus réaliste possible. Il peut y paraître étonnant de voir les quais si propres, mais en raison du grand nombre de vols à l'époque, les commerçants ont voté en 1799 le West India Dock Act, permettant de nombreuses patrouilles policières. De plus, depuis 1840, de fortes vagues d'immigration arrivent à Londres et s'y installent. Par conséquent, en 1860, les quais sont refaits à neuf pour accueillir cette nouvelle population. Donc c'est donc pour cela que notre bar est en brique, les menuiseries sont en bois et qu'il y a quelques vitres qui sont brisées, comme ça aurait pu être le cas dans les constructions de cette époque. Donc maintenant, nous allons plus nous pencher sur le décor lui-même. Donc on peut voir qu'il est fait à partir de 5 feuilles de décor. Donc elles sont toutes différentes, de tailles différentes selon leurs usages et leur emplacement. Donc une feuille est composée d'une planche de bois d'une épaisseur de 5 mm. Elle est renforcée par des chevrons et des mouchoirs et le tout est tenu par des béquilles. Deux des feuilles sont d'un format standard de 1,53 m sur 2,70 m, dont une qui comprend la porte en bois vieilli avec des carreaux. Il y a également deux demi-feuilles de 77 cm sur 2,70 m qui sont elles laines pour donner l'impression d'une façade en fausse brique. Une feuille particulière est utilisée pour la fenêtre, elle fait 2,30 m sur 2,70 m. Les menuiseries de la fenêtre sont en bois avec un arc. Elle est découpée en 16 petits carreaux de verre dont certains sont brisés. Des volets en bois sont disposés de chaque côté pour limiter les vols encore présents à cette époque, même si de moins en moins nombreux dû au vote du West India Dock Act, comme nous avons pu le voir précédemment. Enfin, il n'y a que très peu de décoration en façade, avec seulement deux lampadaires pour éclairer le bout de l'impasse. L'enseigne est tout simplement peinte sur le mur pour limiter la casse et les coûts supplémentaires que cela pourrait engendrer. Donc pour vous présenter notre travail, nous avons utilisé le logiciel de streaming en direct OBS Studio, donc OBS pour Open Broadcaster Software. Donc cet outil nous a permis de rendre notre présentation dynamique du fait de sa grande diversité iconographique, nous permettant de mettre des images, des caméras, des vidéos, des diaporamas ou encore du texte, et le tout avec des transitions assez fluides. Donc le logiciel est pratique à utiliser lors d'une présentation en direct, comme ça peut être le cas actuellement. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup Clémence et Luce. Et donc pour terminer, nous avons Damien et Bastien
avec leur projet sur le film Les Demoiselles de Rochefort. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous partage mon écran. Très bien. Bonjour. Alors, avec Bastien Lucla et moi-même, Damien Stefanetti, on a travaillé sur le film Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Allô ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, pardon, c'est bon. Voilà. Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film qui est sorti dans les années 1960 et quelques, donc dans les années 66-67, qui prend place à Rochefort. Et en fait, c'est un film qui va traiter d'un été, tout au long d'un été, où on voit deux sœurs, Solange et deux sœurs qui sont en fait... musiciennes et danseuses et qui vont se voir tourner autour par plusieurs hommes dans la ville. On était dont notamment des forains et dont aussi notamment un mystérieux inconnu. Voilà, pour cette séquence, la séquence qu'on a étudiée, on peut voir Solange qui arrive dans un coin de rue, qui entre en contact avec ces deux jeunes gens et qui vient récupérer son neveu Boubou à l'école. Donc on voit vraiment cette scène, à travers cette scène, la sortie de l'école et on voit aussi la rencontre avec cet inconnu, lui aussi musicien. Et donc on a vraiment remarqué dans cette séquence, ce côté théâtral avec l'entrée à gauche au bout de la rue et la sortie comme une pièce de théâtre. Voilà, on a aussi remarqué cette présence omniprésente de la couleur. Qui vient déterminer toutes les trames visuelles et un peu architecturales aussi du film qui prend place donc à Rochefort. Il faut savoir que dans cette ville, on a repeint pour 40 000 litres de 40 000 mètres carrés de façade tout un été, donc avec des couleurs très flash et très très pastel aussi, donc beaucoup de blanc, beaucoup de tonalités un peu beige. Et pour ce qui est des volets et des façades, on voit aussi beaucoup de fenêtres en bleu, en rose, et c'est exactement ce qu'on retrouve en fait sur les habits de la scène, et donc une colorimétrie tout à fait pastel. Voilà, et c'est aussi ces couleurs un peu pastel qui accentuent ce côté plutôt fleur bleue de cette séquence avec cette rencontre avec l'inconnu. Et donc pour réinterpréter cette scène dans un décor, on a voulu plutôt se pencher sur le moment de l'école, plutôt en fin de journée, et ce Solange qui viendrait récupérer Boubou à l'école. Et en passant à la boulangerie, avec aussi cette découverte, dans cette fin de scène, une découverte plutôt sur la mer, puisqu'on est dans un paysage de bord de mer, tout de l'ouest de France. Et du coup, on s'est intéressé à dire référence de balustres, de promenades au bord de la mer, comme à Cabourg, en Normandie, par exemple. Et donc c'est avec ça qu'on s'est plutôt intéressé pour cette découverte, mais aussi des façades de boulangerie, de vieilles boulangeries françaises typiques. Et donc ce travail, on a plutôt fait en maquette, donc au niveau du plan de la salle dans laquelle on devait travailler, au final, construire le décor. On s'est adapté aux dimensions avec plutôt une partie pour la découverte et une partie plus pour la façade de la boulangerie où la caméra filmerait plus cet endroit-là et avec la balustre qui cacherait également un petit peu la découverte pour un sentiment de profondeur plus importante. Donc on a aussi essayé de développer des vues avec un logiciel 3D pour voir comment pouvait se positionner la balustre avec
la potentielle façade de la boulangerie et comment on pouvait cadrer sur les personnages et sur cette découverte. Et donc, cette façade, Bastien peut peut-être en parler. Je ne sais pas s'il nous entend. Bon, c'est pas grave. Oui, ah, c'est... On a décidé pour ce décor, on a décidé donc pour ce qui est notamment des rideaux de donner d'avoir vraiment cette vitrine de boulangerie avec utiliser au final le décor, les rideaux pour cacher aussi une partie de la vitrine puisque dans le cinéma c'est toujours assez compliqué de filmer des vitres et aussi la profondeur au final qui n'existe pas vraiment puisque c'est juste une façade. Donc s'aider de ces rideaux pour créer l'illusion. Et puis toujours cette présence de couleurs qu'il a est plus vive. On voulait plutôt des couleurs plus fortes pour contrebalancer les couleurs pastel de demi. Et toujours cette présence de la mer avec des tableaux faïence de bord de mer au final. Et du coup, le travail en maquette, il a pris un peu plus de sens au niveau de la structure des feuilles de décor. On a eu des premiers fragments, on a testé de voir comment pouvait se construire au final cette vitrine dans sa profondeur, comment créer l'illusion qu'il y avait vraiment une salle derrière et un présentoir, par exemple, pour le pain. Et donc, c'est ce travail en maquette qui nous a permis de voir aussi comment on tenait cette structure, comment on fait aussi pour avoir une plus grande portée au niveau de la vitrine, comment la vitre peut tenir, et aussi comment on a pu voir sur les autres groupes les éléments structurels tels que les mouchoirs, les cales et tout ce genre de choses. Donc ça, c'était plutôt la partie un peu structurelle du décor et au niveau de la façade aussi, comprendre avec cette coupe-là qui coupe dans la vitrine, voir comment aussi le rideau peut se disposer. Et aussi cette balustre qui est un élément très important dans le décor qu'on a voulu créer, comment on pouvait le construire sans que ce soit trop lourd et que ce soit seulement en bois, par exemple. Voilà, donc c'est des éléments qu'on a, des petits éléments, mais pour montrer le travail de maquette qu'on a voulu travailler plutôt pour ce travail-là. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, merci Damien beaucoup. Et Bastien. Et merci à tous les étudiants pour leur travail. Et malgré les frustrations que vous devez avoir, je tenais à saluer la créativité de toutes vos présentations. Bravo à tous et merci beaucoup. Et pour nos spectateurs, nous rappelons que vous pouvez nous retrouver dès demain à la même heure, c'est-à-dire 14h15, pour un live inédit en direct de l'École à Lausanne pour un masterclass avec Noémie Lovski. À demain et merci beaucoup d'avoir regardé. Thank you.